Hello! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes très nombreux à nous demander pourquoi il n'y a pas de vidéo Destiny sur la chaîne en ce moment. Eh bien la réponse est simple, on ne joue pas énormément à Destiny en ce moment, c'est vrai, on doit vous l'avouer. Le contenu n'a pas changé depuis plusieurs mois, on s'est un petit peu lassé du jeu. Alors je dis pas qu'on n'aime plus et qu'on va plus y jouer, mais je dis simplement qu'on est comme 80% de la communauté, à savoir en attente de nouveautés sur le jeu. Il se fait vraiment temps que les équipes nous donnent quelque chose à se mettre sous la dent. Alors on a eu quelques infos récemment avec par exemple la sortie des streams officiels de Bungie sur Twitch, mais c'est vrai que nous présenter le cuirassé 6 mois après sa sortie n'est pas quelque chose de très intelligent. Alors en l'occurrence, il faut plutôt voir ces streams comme l'occasion de rencontrer les différentes équipes, et il faut savoir que le prochain stream aura lieu le 10 mars prochain sur Twitch et que ce sera pour nous l'occasion de parler avec les équipes qui s'occupent de la bande-son du jeu, donc les équipes audio. Mais voilà, c'est bien gentil, mais ça fait pas avancer le jeu. Alors il y aura un nouveau correctif qui va sortir le 8 mars prochain, le correctif 2.1.1.3 si je ne me trompe pas. Mais il faut savoir que ce correctif ne comprendra que des améliorations et des corrections de PVP. Donc c'est vrai qu'ils sont très à cheval là-dessus. Mais voilà, on attend un petit peu autre chose de leur part. Donc un correctif uniquement pour le PVP, c'est bien, mais il nous faudrait quelque chose de plus consistant. En revanche, on n'a toujours pas d'infos sur la mise à jour de printemps, donc pas de nouvelles sur le retour d'un éventuel SRL ou d'un éventuel événement à venir. Pour le moment, on ne sait pas du tout. On nous parle de rejouabilité, il faut donc comprendre rejouabilité des anciens assauts ou des anciens raids, pourquoi pas. Mais bon, j'aurais préféré du nouveau contenu. On ne sait pas en revanche ce que contiendra cette mise à jour de printemps, donc on est comme vous totalement dans le flou et on attend vraiment des éclaircissements. De plus en plus de joueurs désertent la zone Destiny et je peux vous comprendre, malheureusement il va falloir rester patient. Les nouvelles ne vont pas tarder, il y aura apparemment un contenu assez conséquent sur cette mise à jour, donc on l'attend vraiment avec impatience. Voilà pour les petites news de Destiny, vous l'avez vu, c'est vraiment pas énorme. Je suis comme vous en attente de quelque chose de vraiment significatif. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, je l'espère assez vite pour d'autres infos. Ciao tout le monde!